combat, destruction, voilà ce que nous évoquent souvent les images de la Seconde Guerre mondiale. Mais il en existe d'autres. À la Libération, des moments de soulagement, de fête, d'amour parfois, c'est le cas d'une photo prise par l'armée américaine, celle du premier mariage entre une Bretonne et un GI après le débarquement. Et cet événement a eu lieu ici, à Rennes. Le mensuel explore, en négatif, la véritable histoire derrière cette photo d'un mariage pas comme les autres. La photo montre un couple qui marche sur les pavés encore humides de la rue de Clisson, devant la basilique Saint-Sauveur. Les deux jeunes gens viennent de se marier. L'homme semble murmurer quelques mots à sa femme. Il porte des habits militaires. Normal, c'est un soldat américain qui a débarqué quelques mois plus tôt. Selon les archives de l'armée et du diocèse de Rennes, il s'agit de David Elkas, un New-Yorkais issu d'une famille de juifs russes. Il a tout juste 25 ans. À ses côtés, André Billard, une Rennaise issue d'un milieu modeste. Elle a 19 ans et pour la loi de l'époque, elle est encore mineure. Leur idylle est de courte durée. À l'Est, la guerre continue et David doit suivre son unité. Il faut attendre l'année suivante et la fin des hostilités pour que le couple envisage de fonder un foyer là-bas, à New York. Le 4 juin 1946, une certaine André Kass apparaît effectivement sur la liste de passagers d'un navire arrivé à Ellis Island, la porte d'entrée des USA pour les immigrants. Mais elle est notée « not on board », absente à bord. Selon des documents Air France, la Française a finalement préféré prendre l'avion à un Douglas DC-4, un des premiers vols transatlantiques proposés par la compagnie. Après un vol de 23h45 avec deux escales, elle atterrit le 27 juillet 1946 à l'aéroport de New York avec un sac de 24 kg, 50 dollars en poche, quelques fruits et un bébé, le petit Melvin qui a 3 mois et demi. Elle profite d'une toute nouvelle loi, le War Bride Act, qui facilite l'installation de celles qu'on surnomme les épouses de guerre. André rejoint David dans son appartement de la 110e rue, près de Central Park. Il déménage rapidement dans la grande banlieue de New York. David, revenu à la vie civile, est bijoutier. André travaille dans un magasin de vêtements. Puis c'est Célestine, la mère d'André, qui les rejoint. André, de son côté, étudie l'anglais et l'histoire des États-Unis, puis elle demande la citoyenneté américaine qu'elle obtient rapidement. C'est ainsi que pourrait s'achever la belle histoire d'une Rennaise qui, après avoir enduré les années noires, a enfin trouvé un amour venu de loin. Sauf qu'en 1956, le couple se sépare. David finira ses jours seul à Porto Rico. André, désormais mère célibataire, s'occupe de ses trois enfants ainsi que de sa mère vieillissante. Elle rencontre un homme qu'elle épouse en 1970, mais il la quitte brutalement 10 ans plus tard. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle décède le 17 novembre 2010 et repose désormais dans le cimetière new-yorkais de Farmingdale. Ses descendants habitent toujours aux États-Unis. Comment la flamme d'un amour né sur les cendres de la guerre s'est-il éteint si brusquement? En 1946, un article du Times notait déjà que 200 000 GIs revenus du conflit étaient en plein divorce. Les causes sont multiples. Des illusions de la vie maritale, différences culturelles ou encore les traumatismes du champ de bataille trop lourds à supporter. Demeurent ces moments d'allégresse fixés pour toujours sur la pellicule photo. Bonheur de propagande sur des histoires d'amour qui finissent mal en général? Non. Car même si ces archives nous rappellent qu'aujourd'hui comme hier, il peut arriver de s'entre-déchirer après s'être aimé, nous pouvons au moins nous réjouir de le faire dans un pays en paix.